Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me revoilà pour un dernier numéro de cette petite série de débutés au crochet. Donc, vous voyez que j'ai monté une chaînette, cette fois avec un coton un petit peu plus gros pour que vous ayez, j'espère, une meilleure visibilité. Une chaînette de 15 mailles. J'ai commencé donc à faire mes mailles serrées, une petite révision. Donc, j'y retourne, j'insère mon crochet dans la maille chaînette. Je fais un jeté, je ramène encore un autre jeté et on passe à travers les deux boucles d'un seul coup ou pas, hein, si vous avez besoin de faire cela en plusieurs étapes au départ. Voici la dernière maille de mon premier rang. Donc voilà, un jeté. Alors pour le deuxième rang, je suis au début de mon second rang. J'ai fait mes deux mailles en l'air. Je fais un jeté pour faire une demi-bride. Je vais donc dans ma maille du rang précédent. J'ai les trois boucles sur mon crochet. Un jeté et je passe à travers les trois. Voilà, je vous remonte une deuxième fois. Je vais laisser terminer ce deuxième rang tout seul. Un jeté dans la maille du rang précédent. J'ai mes trois boucles sur mon crochet. Un jeté et je passe dans les trois boucles. Et j'ai encore fait une demi-bride. Donc rendez-vous à la fin du second rang. Alors me voici à la fin de mon second rang avec les demi-brides. Donc je fais un jeté, je n'oublie pas. Je passe dans ma dernière maille, un jeté et un autre. Et voici la fin de mon second rang. Donc on voit peut-être, vous voyez ici que les brides, ben, c'est plus serré, ça monte moins vite. Les demi-brides donc montent un peu plus vite et on va arriver aux brides. Les brides, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ou aussi appelées mailles chaînettes. Je tourne mon ouvrage, je n'oublie pas de faire un jeté, je vais dans ma première maille, j'insère mon crochet, un jeté, un autre jeté, et là au lieu de passer dans les 3 mailles qui sont là, les trois boucles sur mon crochet, je vais passer sur la deuxième. Je vais m'arrêter là. Je refais un autre jeté et je passe à travers. Et là, vous venez de faire votre première bride, la précédente avec les trois mailles en l'air et la deuxième. On continue un jeté. Si vous avez compris le principe, je vais faire doucement un jeté dans la maille du rang précédent. Je passe mon crochet, je ramène un jeté, je ne vais pas jusqu'au bout, je garde deux boucles, un jeté et je passe à travers. Encore une fois, un jeté, je vais dans la maille du rang précédent, un jeté. Je ne vais pas jusqu'au bout, il faut qu'il me reste deux boucles et un jeté. Et je vais sur le rang précédent. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Donc me voici à la fin de ce troisième rang. Premier rang, c'était donc la maille serrée. Ensuite, le deuxième rang, les demi-brides. Et voyez, le troisième rang qui est bien plus grand, bien plus large, on va dire. Un jeté, je passe. Hop. Je ne garde plus que deux. Et c'est parti. Alors, on va faire encore pour terminer une, deux, trois mailles chaînettes. Je vous laisse les faire. Vous allez tourner l'ouvrage. Et pendant qu'on y est, je vais vous montrer la double bride. La double bride. Donc, un jeté, deux. La différence, c'est ça. C'est qu'il y a donc deux jetés sur votre crochet. Donc vous avez donc trois, je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs, trois mailles on va dire. Je vais dans ma première maille, je fais comme si j'allais faire une bride. Hop, je fais un jeté, je passe dans les deux premières, il m'en reste trois. Je fais encore un jeté, il m'en reste deux. Et en fait, on peut compter 3 de 20, ça n'aide mes mots. Ça fait dans ma maille, donc un jeté, il m'en reste 3, un jeté, il m'en reste 2,
et un jeté, il m'en reste un. Donc vous voyez, plus ça va, plus on va être plus large. Donc voilà, maille serrée, ensuite la demi-bride, la bride et la double bride. Ça peut servir là, entre autres, pour faire un petit carré démaquillant. Je pense que on peut plus s'arrêter sur alterner si vous voulez changer un petit peu et puis vous faire la main sur les points de base du crochet, faire des mailles serrées, des demi-brides, des brides. Je vous remonte encore une seconde fois la demi-bride, la double bride, pardon. Voilà, on fait deux jetés. On va dans la maille suivante. On ramène son crochet. Donc voilà. 3 boucles, 2 et 1. Voilà. 1, 2. On passe le crochet dans la maille précédente. 3, 2 et 1. Voilà. Donc, vous avez vraiment les points de base pour commencer le crochet. Tout de suite après, ces tutos étaient là, étaient dédiés aussi au cale. Je vais revenir devant la caméra pour vous expliquer un petit peu plus ce cale châle soirée d'été. À tout de suite. Je reviens devant la caméra pour vous montrer le châle que je suis en train de crocheter. Alors, c'est le châle asymétrique très facile de Lydia Crochet Tricot que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Nous organisons sur Instagram avec C'est la vie quoi et moi-même, donc mon pseudo sur Instagram c'est Justica Sapa, un cale. Alors un cale, C-A-L, ça veut dire crochet along. Donc ce sont les initiales en anglais pour dire que nous allons crocheter ensemble quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce châle. Donc je vous rappelle, il s'appelle le châle asymétrique de Lydia Crochet Tricot. Nous avons créé un hashtag cale châle soirée fraîche où vous pourrez poster vos réalisations si vous venez nous rejoindre avec C'est la vie quoi pour crocheter ce cale. Il démarre le 15 juillet et se terminera le 31 août. On vous espère nombreuses voilà, pour que l'on puisse crocheter ensemble. À la fin de ce cale, je mettrai ce châle terminé en lot pour un tirage au sort. Pour cela, il faudra bien sûr crocheter un châle comme celui-ci, poster sur cet hashtag votre châle terminé, nous taguer sur Instagram, vous abonner à nos deux comptes. Nous préparons d'autres lots. D'ici là, je vous souhaite un joli été, travail ou pas, ou vacances. En tout cas, pour les soirées fraîches, voilà, normalement, vous devriez être paré avec ce joli. Alors, je le trouve magnifique. Hein. Là, c'est le début. Il me reste encore une bobine entière. Je vous montre. Donc, ça va faire vraiment un joli châle. Celui-ci, je le crochette en 3,5 avec un fil qu'on peut considérer comme lace. Ce fil, c'est de l'acrylique et du polyester que j'ai trouvé chez Action. Il ne se dédouble pas, il est vraiment parfait pour crocheter. Donc, si vous avez un Action près de chez vous et qu'il vous plaît, je vous remontre. Donc, on n'est pas dans le dégradé, mais on est vraiment dans les couleurs d'été, hein, rose. Bleu ciel, des petites touches de gris. Donc voilà, ce châle asymétrique, très simple. Il est fait essentiellement donc de double bride et de mailles en l'air. De double bride et de mailles en l'air. Lydia explique formidablement bien, comme d'ailleurs toutes ses vidéos, le montage de ce châle. Donc voilà, avec C'est la vie quoi, nous vous attendons sur Instagram pour voir les fils que vous aurez choisis et vos réalisations. À très bientôt.